Pour moi, un bon fromage, c'est d'abord un bon lait. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache à nourrir nos animaux uniquement au foin et au pâturage l'été. Du coup, je m'appelle Thomas, je suis associé avec ma conjointe Claire. On a repris la chèvrerie il y a environ un an et demi. Moi, avant, j'étais technicien agricole, conseiller en Savoie depuis une dizaine d'années. Et ma conjointe, elle, était infirmière. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était une ferme. Elle était attirée par ce métier-là. Mais ce qu'elle voulait, c'était quelque chose à taille humaine. Et c'est vrai que du coup, on a fait le choix de partir sur une production en petits ruminants à deux avec de la transformation pour créer deux emplois sur l'exploitation. On fabrique principalement deux types de fromages, un fromage type camembert et des fromages type lactique. Donc après la traite, on sort le lait, on l'ensemence avec notre levain, on travaille avec des levains naturels, on essaye de ne pas travailler avec des levains du commerce pour la typicité de nos produits. Pendant 24 heures, on laisse acidifier le lait et on empressure à bonne acidité. Et on laisse cailler le fromage pour que le lendemain, on puisse mouler et préparer. Alors on fait faisselle, bûche et des fromages type Saint-Marcellin pour les lactiques. Et pour le camembert, là, c'est du lait du jour, du lait tirant. Et on le travaille à 34 degrés, on le caille et on le moule dans la journée pour ensuite le laisser au moins 12 à 15 jours en Haute-Loire avant de pouvoir le commercialiser. Et une journée type à la ferme, c'est d'abord le soin aux animaux. Donc le matin, on les nourrit, on les trait, la traite a lieu le matin. Derrière, on les sort au pâturage un maximum. Ensuite, on va en fromagerie, soit on sort le lait, soit on fabrique des fromages. Il y a deux jours par semaine où il y a les préparations des commandes et livraisons des magasins et AMAP dans la vallée. Le mercredi, il y a le marché de Saint-Hilaire-du-Touvet. Ce qui me plaît dans mon métier, moi, c'est d'être proche de la nature, travailler au contact des animaux. La relation avec les animaux, c'est gratifiant parce que si on s'occupe bien d'eux, derrière, en retour, on a du bon lait, des bons fromages. Il y a aussi le fait d'être ancré dans un territoire avec une dynamique de ce territoire-là, du partage avec les autres agriculteurs, les autres acteurs locaux. C'était sur le plateau des Petites Roches, ça nous correspondait bien à ce niveau-là. Donc ça, dans le travail, c'est ce qui nous plaît. Même s'il y a l'astreinte qui est quotidienne toute l'année, en fait, on s'y retrouve parce qu'on a ce cadre de vie et puis un rythme qui est totalement différent d'avant. Nous, on avait envie de faire ça pour offrir à nos filles un cadre de vie sympa, proche de la nature. Nous aussi, on voulait rester dans cette idée de travailler à deux sur un outil de production petit, viable, économiquement, avec une production en agriculture biologique pour respecter nos valeurs. Alors nous, on peut nous retrouver au marché de Saint-Hilaire le mercredi après-midi. On fait également vente à la ferme de 17 à 19h le vendredi. Ça nous permet aussi d'accueillir les gens dans la chèvrerie. On rentre le troupeau un peu plus tôt pour que les enfants puissent caresser les chèvres, que les gens puissent voir comment on travaille avec elles et qu'ils puissent voir le troupeau. Donc ces deux jours-là sont un peu plus consacrés à la rencontre avec nos consommateurs.